l'insécurité. Alors, je rentre rapidement pour ne pas... Parce qu'après le père de la sécurité, venait Joseph Kabila Kabange. Venait l'héritier, c'est lui qui a pérennisé. Mais allez-y. Mais pourquoi allez-y, je suis en train de dire ça? Parce que ici, ce ne sont pas... Vous savez une chose, il ne faudrait pas qu'on ait d'un camp politique falsifier l'histoire. Très bien. C'est que les gens de l'autre côté ont voulu faire, ils ont voulu maquiller l'histoire. Mmh. Vous savez, ils ont une beauté pour dire que c'est les pères de la réunification du Congo. Ça, c'est une fausseté. À moins que tu sois dupe ou que tu ne sois pas scientifique de ton état pour octroyer plutôt la réunification du Congo à M. Kabila. C'est une fausseté. Mmh. Donc aujourd'hui, la malchance qu'ils ont, ils se rencontrent avec des personnes qui ont un minimum de savoir et qui connaissent l'histoire de notre pays, l'histoire de cette insécurité que M. Tshisekedi devait finir. Alors, la problématique avec l'armée congolaise, je pense que vous avez dit à certaines... personnes ou certaines portions de ceux qui font partie intégrante de l'armée qui se lamentent, moi je pense que si nous allons dans une logique normale, un militaire ne peut pas se lamenter. Très bien. Un militaire, c'est d'abord les ordres. On obéit aux ordres et ce qui est lamentation revient à nous civils. Très bien. Alors je pense qu'il y a un mécanisme aussi pour faire arriver certaines lamentations ou certains désaccords des militaires. Et ce qu'ils ont fait, c'est affaiblir l'État congolais. Parce que est-ce que vous reconnaissez que notre armée se plaint à tout moment? Ce n'est pas qu'on accuse l'armée, mais on constate que ces derniers temps, l'armée ne fait que nous pendre de communiquer en lieu et place d'attaquer comme il le fait. Non, je pense que si vous dites que l'armée se plaint, non. Vous savez, aujourd'hui, le Congo vit aux dépens de certaines clauses diplomatiques. Vous savez, cette crise, moi et vous, nous avons vu des gymnastiques diplomatiques, que ce soit par Luanda, par Nairobi ou par Kampala. Et aujourd'hui, nous agissons sur la feuille de route de Luanda. Alors, la feuille de route de Luanda. Voilà. N'est que respectée par l'armée congolaise. C'est pourquoi je dis. En fait, je suis en train de relier l'aspect plaintif que vous aviez dit. Très bien. Allez-y. Cet aspect plaintif là. Pour moi, ce n'est pas un aspect plaintif, mais c'est que l'armée congolaise, par les biais de ses autorités, agit sur base de l'accord de la feuille de route de Luanda. Alors, lorsque l'armée congolaise agit sur cette feuille de route, mais il voit que de l'autre côté, vous avez dit de l'autre côté, il n'y a pas réciprocité. De l'autre côté, le Rwanda avec le M23, il n'y a pas réciprocité. L'armée congolaise doit s'exprimer officiellement. C'est pourquoi vous voyez certains communiqués que vous traitez. Quand je dis vous, l'opinion publique, une portion de l'opinion publique traite que ce sont des avis plaintifs, des communiqués plaintifs. Non, ce ne sont pas des communiqués plaintifs. Aujourd'hui, l'armée congolaise, par les biais de son commandant suprême, le président Tshisekedi, a adopté une ligne de conduite. Et je pense que dans les jours à venir, les mécanismes sécuritaires vont encore s'accroître. Pourquoi les mécanismes sécuritaires vont encore s'accroître? Parce que les credos de M. Tshisekedi, il ne veut pas seulement éradiquer les M23. M. Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir, ses credos ou les éléments focaux de sa mission pour le Congo, c'était la pacification de l'Est. Ici, il ne faudrait pas dire la pacification du Kivu, non. La pacification de l'Est du pays prend la province de l'Ituri, les deux Kivu aussi. Alors, M. Félix Antoine Tshisekedi, dans toutes les approches qu'il travaille ou dans tous les mécanismes, merci, c'est pour pacifier l'Est. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, le seul souci que nous et vous, nous avons, à moins que vous ne soyez pas congolais, à moins que vous soyez peut-être de l'autre côté, comme... nos frères sont un peu des immoralistes, hein, avant que vous soyez un peu comme eux, qui ne veulent pas que nous puissions finir avec cette guerre. Mais nous, nous voulons que finir avec cette guerre. Merci. Nous voulons, nous soutenons tous les mécanismes pris par le gouvernement qui vont dans les bénéfices de la population. Merci beaucoup, Jomaele. Il est dès l'Union sacrée, héritier Ilunga. Vous avez la parole aussi en cette minute pour réfléchir autour de la question liée à la sécurité à l'est de notre pays. On a vu, parce que cette émission a pour but de brosser en tout cas l'actualité de la semaine, surtout le jeudi, parce que nous tournons cette émission que deux fois la semaine. Nous brossons l'actualité du lundi à mercredi, voire jeudi. Raison pour laquelle nous sommes revenus sur cette question pendant que le
le Congolais, bazotele mais la bongo Monisco, bah Congolais bazotele mais la Monisco, bah lobi que azo sali le côté, bah dans les sous na posa na yete, mais tout moni bah FRDC, kosanga na bongo ko signer opération conjointement. Est-ce que n'est-ce Félix Tshisekedi de l'obagi que il faut pas banako qui est déjà parti en décembre année oyo. Est-ce que ezali seconde chance oyo bah kondi yambo kanabiso bazo pesa bongo Monisco pour que bata la soki baza capable yako accomplir mission na bango et au cas contraire ezali départ na bango. Merci de mon attend na ndengo bité na bisusu na mission na yo. Je crois que tozali wana potolo bela ba ikongomani na ba mabenyo so ezali ko sala manaka ya mboka na biso na lubaka chaque fois na ba itandwe ki lorsque na le kaka ko lubaki ko loba le poteau ya bapa langue ya bapaya munoko ya bapaya ezia synonyme ya kolobateke ozana mayele mutu pete ya lobi le contraire ndeko mayele auti ko sala awa eza musala na ya bango batu ya union secret ba mesana ko sala parce que na mona quand même mes Antoine soki azolo ba o kanisa ke angelou mais soko yo ko tala oyo est-ce que yo mtaivi soko soko azolo ba abimba soki azali ko lo ba kanisa ke angelou mais yaka siko okota na profondeur ya makambo auti ko lo ba ozo omona bo lukutana lukutana nde oyo ndeko mayele auti ko sala na sepela na ndeko mayele lorsque na participer na la plateau na lingaka alobela vraiment Congo. Mais lorsque il y a zo le pouvoir en place où il y a union miibi ba otu ko ba biso mbongo francophonie et ça langa passe. Oh. Et ça linga passe à liboso à lobi que le père de l'insécurité congolaise c'est Laurent Désiré. Laurent Désiré Kabila. Ndeko mayele. Et puis l'héritier de la sécurité c'est Joseph Kabila Kabange. Pona Congo na biso oyo Baboma Lumumba, Baboma Kimbangu, Pona Congo, Baboma Lumumba. Voilà, c'est mon abino. Muse Akenda, Baboma Muse. Pona Mboko. Pona Mboko. Mais tout ce qui est là, tout le monde Congo, c'est Joseph Kabila Kabangi. Oh, ça héritier à la sécurité. C'est l'autre mot. Kota la bateau, Yoboy. Et ça n'a pas passé. Pourquoi? Monsieur Antoine Alobaki, il y a ce qui est là, comme il t'a dit, il y a un colo. Quand Koko, il y a un colo, il y a un Kinshasa. Et qui est dans l'Est de la République démocratique, dans la ville de la Bissou à Goma. Alors, mais Tozeli, 5 ans, le mandat ici, il a commis deuxième sénateur à vie. Oh. Parce que comment tu as commis la deuxième sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangi, non, M. Antoine. Non, le comité, parce qu'il a le pouvoir. Non, 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 déjà, il faudra l'élection et Salama. Et puis après, on sait qu'à l'onguité, Moussou soit remplacé. Mais pour l'instant, il y a un président. Il y a un bilan, il y a un long. Il y a mais pendant que Bino va se battre, je rêve qu'il y a une élection. Mais le problème, opposant phare à M. Antoine, il y a une sécurité, il y a un bétail solo. Les autres, tout à l'heure, il y a des entraîneurs, tout à l'heure, il y a un niveau de l'Union secret, et il y a Jean-Pierre Bemba, dans Vital Kamerhe. Des entraîneurs, il y a un moment où il y a un match. Changement et salami, des entraîneurs qui sont coachés. Toujours, c'est le résultat, madame, parce que toi, des entraîneurs, des coachs, qui sont coachés, qui sont coachés, qui sont coachés. Donc, coach, la tic, tu es mon rabais tabal. Ah, oui, tabal. Alors, tu es mon coach. Ma défense, toujours, Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous avez vu que depuis Jean-Pierre Bemba, à côté du ministère de la défense, il a réussi. Et ça, quand on a les seuls de Jean-Pierre Bemba a réussi, ils ont mis la GLM. Oh. À part Mila GLM, Onyon Suetikali et Zalibanda. Lana nous est là. A réussi Mila GLM. Quand il y a beaucoup qui ont Mila GLM, non? On a même réussi ça. Dans le secteur, on a eu. Dans le secteur de défense, on a eu Jean-Pierre Bemba Zali Kokamba. Et ça, Mila GLM, Oyo Kangaki, Zela GLM, Oyo Aboukaki et Sili. Onyon Suetikali et Zali échec total. Comment vous résumez? Bilan, il y a 20 peines. Quand on a eu Rambo et Ali GLM. Lélo, tu as eu. La thématique est la solo et accord opération conjointe. Conjointe, on a eu un signe. Les lots de Wazalend, on a eu un M23, on a eu un Monisco. Alors, binope, le gouvernement a eu un signe. Il fallait que le gouvernement soit à Salanini, à Keng. Mais surtout, on a eu un signe. Les lots de Wazalend, lorsque Basalaki manifeste manifestation contre Monisco, le même Wazalendo, lorsque vous mandez comme Mawang Basalaki na Mindu kite. Le même Wazalendo, le lobe comme na Mindu, comme vous venez à Mouna Wazali, le cas de territoire à Mokarabiso.
biso nous autres métis maboko parce que bah on va zali koko fakuna bazali ba congolais bande qu'on a biso à congolais ba telemi bah on bimisa mouna bino na gouvernement na bino bolobi biso toye bi bangote et ça va congolais ba telemi ba bimisa mouna mouna akima chose qui est normal parce que na pour na défendre l'intégrité à mboka na yozo vous en apportez aux la gouvernement et biso yo ne peut pas que congolais rotellement pour défendre l'intégrité à mboka alors ba toyo ba wazalendo bazali ko bazo boya bango balobi insécurité so ke dans mon panzi a être et cause nango ezali ba monesco so ke monesco e kei ki me na biso ko za la ko to na mon panzi a est la république démocratique du congo alors bino boke li sous ko sala boke zongi si li sous ki kama radegi na bino na ba yi monesco est-ce que bozo je la récite à malam na moment o to za na congrès o bazali ko organiser soit déjà processus électoral au monique est le coup na bango échec total la pouvoir en place le nom la zone mituna monsieur Antoine ta zone nommé Jean-Pierre Bemba na ministère de la défense abandaki ko kanisa nini le nom depuis bonaka na ekeyi oyo ministre de la défense alingaki a sala lorsque babandaki ko benga bazo kumisa le nom bitumba bonaka na kozonga tozela ki to mona monsieur Jean-Pierre Bemba na monsieur Antoine en tant que commandant suprême na commandant na chef anani état major général bango nyonso na bonaka na tout le monde en époque à Mobutu, place au Mobutu à l'obake, même si faire les accords avec les diables, je vais les faire. Pour que Kimé Kozonga est dans la République démocratique du Congo. Mais répète, tu fais qu'elle est à l'obake, il a ressenti le président, Soki Kimé Koti. Mais maintenant, c'est lui. Tout le monde a des sénateurs et des gens. Oui, merci. Il y a Joseph Kabila Kabang. Très bien. Le nom, tout le monde a mousé. Si l'Issa, si l'Issa. Si l'Issa, de Konata. Tout le monde a mousé côté Bitumba et Zobunda. Bazo Bunda, de côté Mouzé Azali. Le lot Joseph Kabila, tout le monde a eu na est, côté Bitumba Azali, Kabila Azali. Je sais qu'il n'y a pas Kenda. A Kenda wapi. A fait 3 semaines. Alors, le lot Bounagana, Bawana Koutoune, Bakri Pekari Bambokate. Comment nous sommes à Mobimba, Pepa Tikaki à Mobimba. Le lot Ozana Bamboka, Oza dirigé en Abisote, Bazo Yambo, Papa. Drapeau à Congo, Ezali Té. Alors, nous sommes au Pekisa. Le commandant suprême en Abisote, mais c'est Antoine. A Kende. Merci. Très bien. Héritier Ilunga, Kabila Forever, Grady Mundeke, lui il est analyste indépendant. Cher Grady, bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau. Vous avez aussi autant de minutes comme les autres pour réfléchir autour de cette question d'actualité. C'est une émission bilingue, sentez-vous à l'aise. Donnez votre avis sur cette opération conjointe Springbok signée entre le FRDC et la MONUSCO qui déjà veulent bientôt partir selon... ce que nous avait dit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi, la position de notre armée aujourd'hui. On constate que l'armée a commis qu'au pendre bah, communiqué Bélé. Parce que récemment, bah, c'est l'alerte mon bah, lobby que bah, M23 bah, Kati Bongo bah, ligne électrique ou oh, et alimenta ka goma dans tout le bah, bah, Kati courant la goma. Bah, FRDC bah, oh, c'est plaindre. Est-ce que le fait que Yakomona à tout moment va communiquer et autant les abysses que va MFRDC la mission va nous prêter à Yakomunda contre M23 parce qu'on constate que va communiquer qu'on s'est plaint trop. Merci pour l'octroi à verbe de Konatan. Je serai un peu bilingue pour nous permettre ba maman ou ba tika herba tika mapa pour balandabiso ba actualité à mboka le lingue zo kende. Na kozala bilingue pour na ba papa na biso oyo ba zo continuer kolela. Na bayere eleki bazo continuer ko souffrir bande ko na biso ko ba libanais bazo continuer ko nyokola liba côté de l'histoire donc vous allez vraiment bilingue pour nous permettre compréhension là je vais d'abord commencer par dire moi na bande ko na biso toza bango débat lelo je m'attends vraiment à un débat très intellectuel surtout un débat où ils ont intérêt à mboka pas un débat chauvin pour venir ici faire des éloges à des personnes au bazoa pouvoir ba saler le côté pe ba bazana pouvoir bazo saler le côté. Bon, voilà, sur la question, il y a armée Nabiso congolaise. Avant d'abord de trop parler, j'aimerais toujours en donner à moi positionner une armée Nabiso Zanangolélo. Très bien. Face à Banguna, face à pays voisins, RDC Aza et à Rumon Analoulengeni. Très bien. Je me rappelle ici que la RDC, quand je dis RDC, je vois l'armée, la FARDC, est 8e en Afrique. Nous avons 71e armée dans le monde. Donc, c'est-à-dire, si on doit compter 1 tina 71, RDC Azali. Dans la grande pays, c'est bien dans le monde. RDC Azali, c'est 31e la position. Dans la cima, il y a des milliers de pays. Dans le cas de l'Abalobi, je suis réussite sur le plan diplomatique. Je suis internationaliste de formation. Et qui dit diplomatie? Dans la diplomatie, il y a deux appareils. C'est-à-dire les intérêts qui comptent. Très bien. Intérêts dans les années, intérêts dans les années.
Mais je suis peiné de voir la chaîne de télévision de quoi le baquet diplomatie et de quoi Félix et ça réussi. Réussite, là, on a basé dans Nîmes. Il y a plus de 100 voyages, mais c'est Félix Assali. Ben, investisseur, tu es là, il Topo n'a pas investisseur, il y a un match au RDC Robert contre les gens de RDC. Oh, Barcelone. Mais voilà, parce que jusqu'à présent, tous les investisseurs vont faire Baya. Baka Nanzela, avion peut-être que je ne pas, mais il y a qu'un jour. Oh, mais tu vois qu'il y a déjà investisseur, moi, quoi, tu as c'est pas moi, usine, il y a montage, il y a fabrication, il y a véhicule. Investisseur, moi, quoi, il y a moi. Donc, en gros, sur 100 voyages effectués, tu as l'investisseur, moi, quoi. Tout investisseur, je suis un film qui a été passé par diplomatique. Jean-Claude Van Damme. Je ne suis pas là dans les attaques. Très bien. Je suis très direct dans ma communauté. Aujourd'hui, notre armée a été cyberniée. Tout est que l'armée a été affectée quelque part. L'armée a été liée au ministère à sporter. L'armée a été liée à l'armée. Et le ministère a été liée à rapport au conseil des ministres. Très bien. Dans ce cas, si tu as plus de lobby, que les alliés trop en matière, comme on a fardessé qu'on réclamait. Mais je rappelle ici, dans l'actualité, la fameuse guerre où les alliés entre l'Ukraine et la Russie, tout le monde a armé à sali analyse na ye terrain. Pour aller même sur le terrain, à sali analyse. À copé c'est un gouvernement, un ministère na ye aux affectés na ye. C'est au ministère y a copé ça porte-parole pour quoi annoncer le peuple que n'habite tout le monde tout ça n'a pas niveau haut. Très bien. Mais soit tout comme il y a armé y est moko, a comme il y a copé pour message à Bongo, c'est qu'il y a un problème. Le problème c'est ça c'est qu'on a ici Kani. Le problème c'est ça c'est que l'autorité a dit que ça la musala na yete, y a un moni fardessé, oyo. A Bundi Bitumba Bandakala, tout ce que ça a que faire d'ici à Bengana M23 sous M. Kabila. Il ne faut juste pas critiquer. Il faut aussi voir. Sous Joseph Kabila et faire d'ici à Bengana M23, mais les gens qui ont la lobby, Joseph Kabila va hériter à sécurité à Satanae. C'est ça que je disais ici. Laurent Désiré Kabila. Tout ça, le débat, mon co, il y a pas piqueté. Très bien. Tout ça, le débat pour papa, pour Bazan, la TV, Bauta, la Bissou. Tous les gars à la Banzela, en déco. Maman, au moins, on a eu les cas à lobby, mais moi, on a eu les gars à la TV, ma famille, en zone, mais ça, pour la Bissou. Quittons la honte, tout ça n'a pas de débat où ils ont réfléchi. Sous Joseph Kabila, tu as 0123. Tu as un mais sous Félix, tu sais qu'il dit il y a combien des armées, combien des armées dans le monde? Oh, voire même, selon ma rumeur, je dis bien pas, selon ma rumeur, c'est qui fait RDC accéder à la territoire, mon sous-souté. Est-ce que c'est une union sucrée, il y a bien voté? Non, quittons l'esprit avec Fundarabatou. On acquise, à tout mis de l'autre côté. On a crise Kabila de l'autre côté, on a crise Fayoulou de l'autre côté, et nous jeunes, nous allons les sous au lettre, on va traiter le renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique n'a pas critique. N'a pas critique ça sans fondement. Non. Armée d'Abisso et Bengana Far et Bengana Afar DC et Bengana M23 sans Monisco. Donc vous pensez que le lot, il faudrait plus qu'on compte dans le FRDC que dans le Monisco, qu'on compte dans la force régionale, à sa coûte inefficace pour tout le monde. Dans le terme de Soussou. Dans le monde de l'énergie, on répond à vous. Far DC est un Bengana qui est M23. Monisco est avec vous. Le patriote est un Bengana qui est M23 sans Monisco. Monisco est là qui est. Monisco est ici plus de 20 ans. Bilan il y a Monisco dans le Boka Oyo. Mais bande qu'on a vu sur ceux qui vivent à Bengala bande qu'on a Monisco. Bah ils savent on va kende, bah tika Boka on a vu sur. Na moment on a vu na manifestation là bande avant rappeler que bah Congolais nous sommes pas. Parfois. Gouvernement pour l'État bah enquête t-il l'autre osé. Parfois on a Boka Oyo. Mais les autres limite ça ni tout signé sur opération moi on a bande qu'on a Monisco. Pourtant que nous ça ni tout que nous combien on a M23. Pourquoi pas te faire sa confiance dans la fin de ce Nabiso Oyo Tozana Bango ya Bengana M23? Ce qui est le fait de ça, comme il y a la TV, il y a les réseaux sociaux, les médias, c'est parce que nous avons un gouvernement qui ne fait qu'accuser. Yo me connais au cas des gens de Copatrix. Attendez. Donc, comportement et gouvernement, oui, il y a beaucoup de Nabiso et FRDC a adopté à moi. Mon frère, il n'y a jamais eu de mauvais groupe. Sauf de mauvais guinéens. C'est-à-dire, ceux qui papa n'a pas quoi une éducation, il y a un fin à cas. Ceux qui ont dit, maman n'a yo, permettez-moi, je m'excuse. A fini, boué na boué. Bamboya kobo, t'as pas une éducation, il y a que ceux qui m'ont fini à répliquer, à cause de papa, maman sala.
tout le monde a 3 ans, ceux qui ont tout le monde, papa pas fini à bon. C'est-à-dire, ceux qui ont hérité la papa naï, ça fait de même dans l'État. Très bien. État, ça là-bas. Merci. Deuxième tour de table, on parle élection en République démocratique du Congo. On a suivi déjà des réactions venant de la part de certains politiques. Je cite ici notamment Diomi Nongala qui, selon lui, pense qu'avec l'insécurité qu'on a dans notre pays, c'est fort probable qu'on puisse reporter les élections parce que l'intégrité de notre territoire est d'abord plus importante que les élections. Là, c'est selon lui, Diomi Nongala. Mais sur ce plateau, qu'est-ce que les amis pensent? Est-ce qu'il faudrait penser à les reports d'élections? Question de trouver des solutions à l'est de notre pays, parce que la sécurité continue comme ça à battre son plein. Joe Maëlle, vous avez la parole, c'est vrai, vous avez beaucoup écrit, vous avez rempli cette feuille de papier, mais je vous donne la parole cette fois-ci en 7 minutes encore pour réfléchir autour de cette fois-ci de la question des élections. C'est vrai, le président de la CENI nous a promis qu'il va respecter comme ça la constitution, qui va respecter la loi selon laquelle les élections devraient normalement se dérouler ce 20 décembre. Il promet qu'il va respecter. D'ailleurs, il a fait un tour pour voir comment le matériel doit normalement déjà venir au pays pour les élections. Mais est-ce que vous pensez qu'au regard de l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays, on pourrait penser à un report d'élections? Merci, cher frère. Merci pour votre question. Je pense que je commence avec ce que mes frères ont dit. Je vous aime beaucoup, mais à un moment, il faudrait respecter aussi la qualité du plateau. C'est très important. Très bien. Mon frère, très bien habillé, en veste rouge. Rouge bordeaux, je pense. Très bien habillé. Un beau garçon. Mais il commence avec un vocable. Il dit, il semblerait qu'il avait entendu des rumeurs. Voilà là où on réduit la beauté de ces plateaux. Lorsqu'on vient dans un plateau d'émission, on ne vient pas avec des rumeurs. On vient avec des informations. Vous comprenez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tolérance. Déjà, le vocable rumeur n'est plus... S'il vous plaît, tolérance, s'il vous plaît. Déjà, je reviendrai à vous. Déjà, le vocable rumeur ne peut pas sortir. Faudrait supporter le choc. Le vocable rumeur ne peut pas sortir. Comme le dit M. Nkourou. Hein? Le vocable rumeur dans un plateau d'émission ne sort pas. Je pense que vous êtes un intellectuel bâti. On ne parle pas des rumeurs. Il faudra encore, si vous êtes académicien, il faudra encore revoir les notes. Si vous n'êtes pas académicien, vous êtes apprenant, il faudra encore lire. Les vocables et rumeurs ne sortent pas dans un plateau. La deuxième des choses, comment on peut affilier la destruction ou la ouverture des voies de GLM au ministère de la Défense? Je dis encore à mon frère, la formation est très importante. Je vais vous donner un bouquin, un document qui va vous montrer les attributions du ministère de la Défense. J'aurais pu accepter, si vous avez parlé du ministère de l'urbanisme, peut-être de l'intérieur, que vient faire M. Bemba dans cette affaire de GLM? Partons un peu dans la contexture d'un État. Voilà, il y a un problème. Je parle de M. Mouzé-Laurent Désiré Kabila et de M. Kabila comme les pères, l'un comme père, l'un comme héritier. Mais quand je veux vous parler de la sécurité, oui. Merci pour cette précision. Je parle de ça pourquoi? Parce que quand je parlais, je disais, j'avance mon argumentaire avec des soubassements. Je vais te lire quelque chose que tu vas comprendre. Peut-être on vous a jamais donné ça. Alors, voilà ce qu'ils disent ici. Je lis seulement deux points. Les partis conviennent que les rapprochements, plutôt, se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays, le CNDP a proposé un modèle de découpage territorial national. Le CNDP a proposé un modèle de découpage territorial national. Retenez ça. Écrivez. La deuxième des choses. Les deux partis ont convenu d'une réforme profonde de l'armée et des services de sécurité de la RDC constituer une priorité. Le CNDP a proposé des orientations stratégiques pour une telle réforme. Vous voyez là où j'ai dit l'un. Je commence par être héritier, la personne que vous défendez. Le CNDP, c'est quoi? Qualifions le CNDP. C'est un groupe rebelle. Cet accord est signé le 23 mars 2009. Si je suis en train de m'imaginer, à moins qu'on soit dupe ou qu'on ne fasse même pas la maternelle, vous avez déjà vu un groupe rebelle, j'ai dit un groupe rebelle, proposé à un État qui a ses quatre institutions, pas un État rebelle, mais un État normal, pas un État barbare, un État normal qui
via ces institutions, qu'on lui propose un modèle de découpage territorial. Vous connaissez le découpage territorial, si c'est quoi? Un État normal, que le CNDP doit proposer à cet État un modèle de réforme stratégique pour l'armée et ses services de sécurité. Un groupe rebelle qui propose à tout un État, à tout un gouvernement, à tout un pouvoir. Est-ce qu'on vous a déjà montré ces documents? Il parle de la défaite du M23. Je pense que c'est mon frère qui l'a dit. La défaite du M23. Oui, le M23 était déchu. Je suis un chrétien. Si j'étais un nécromancien ici, j'allais invoquer l'esprit de Mamadou Ndala. Oh. Mamadou Ndala allait sortir ici. Oh. Ne nous menacez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit, ne nous menacez pas, s'il je vous plaît. Menace je pas. Je vous menace pas. Mamadou Ndala allait sortir ici. On allait dialoguer avec Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, dites-nous, quelle était la formulation de la défaite du M23? Mamadou Ndala vous dira que j'ai agi sous mon impulsion. Je vous renvoie à aller lire comment est-ce que le M23 a été défait. Il y a des généraux congolais qui ont été cités dans l'assassinat de Mamadou Ndala. Pourquoi? Parce que Mamadou Ndala avait refusé l'injonction de Kinshasa. Kinshasa n'avait pas voulu que le M23 puisse être défait. Preuve, je vous donne des preuves. Toutes les personnes qui se sont battues avec Mamadou Ndala dans les fronts ont été élevées au rang des généraux, sauf Mamadou Ndala qui a été mort colonel. Preuve encore, la zone où on a tué Mamadou Ndala, c'était la zone contrôlée par les FARDC. Donc vous pensez que l'ordre venait de la part de certaines autorités? Non, on dit l'ordre venait de Kinshasa. L'ordre venait de Kinshasa pour abattre Mamadou Ndala. Je renvoie mes frères à les lire. Rencontrez-moi par des arguments. Très bien. J'avance encore. Mon frère dit que les pouvoirs en place organisent un congrès. Un problème de vocable. Si vous êtes technicien à la matière, vous allez comprendre que je suis allergique au vocable. Un congrès. Donc si vous voulez appeler l'élection, il avait ça congrès. Un congrès. On arrive. On arrive. Vous voyez les défauts de le défaut de ne pas être technicien à la matière. Un congrès. Entrons dans la définition conceptuelle du mot congrès. Donc, je vais plus loin. Ça signifie que M. Matata Ponyo fera ferré, je dis au conditionnel, partie de l'IDPS, comme c'est le congrès de l'IDPS. Ça signifie que M. Seth Kikuni ferait partie de l'IDPS. Ça signifie spéciale à son porte-parole, Nathanaël Mokumba. Ça signifie que M. Moïse Katumbi ferait partie de l'IDPS. Donc, vous imputez toutes ces personnes. Donc, Fayoulou également ferait partie de l'IDPS. Le congrès, c'est quoi? Ah, je comprends. Oh, ouais, je comprends. Excusez-moi, vous n'êtes pas un parti politique. Je comprends. Ils n'ont pas de congrès. C'est Nice Bay. Oh. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi, je ne savais pas que vous n'êtes pas un parti. Excusez-moi. Oh là là. Allez-y, terminez. Malheureusement, si c'est un indépendant. Ah, excuse-moi, frère. Excuse-moi. Ben, on peut un peu échanger avec toi. Les congrès, c'est quoi, cher frère? Allez-y. Partons dans des partis politiques. Quand on parle du congrès, grande assemblée qui définit les orientations d'un parti politique. Très grande assemblée. Alors, nous sommes dans un cas d'un parti politique ou nous sommes dans un cas d'une élection. C'est ça qu'il faut se poser la question. Posons-leur la question. Quand on parle des élections, c'est quoi? Parce que ici, nous parlons des élections. Oui, nous parlons des élections. C'est quoi les élections, mon cher frère? Monsieur Kadima, lorsque il nous assure qu'il y aurait élection, M. Djomaye, il est quand même paisible et citoyen, accepte. Pourquoi? Parce que dans le peu de savoir que nous avons, on nous dit que les élections sont accompagnées par un processus électoral. Quand on parle du processus, le processus c'est quoi? C'est ce qui est séquentiel. Je ne suis pas mathématicien, mais je vais voler un peu une notion de la mathématique. La notion des fonctions. On nous dit pour atteindre le point X, il faut commencer par le point A, tu transites par le point T et puis tu vas atteindre le point X. C'est ça le processus. Posons-leur la question. Actuellement, nous sommes dans quelle phase du processus électoral? Je pense que les comptes... Terminé.
Je respecte beaucoup mes frères. Mais quand on vient dans un champ politique, en tout cas, il faudrait se prémunir. Alors, Djuma, il est... Je termine par là. Est-ce qu'au regard de l'insécurité qui sévit à la partie est de notre pays, est-ce que vous pensez aussi à un report des élections? Oui. Parce que l'intégrité territoriale de notre pays importe plus que les élections. Ici, est-ce que vous pensez que tout le Congolais doit s'unir pour trouver d'abord des solutions? Parce que ceux qui meurent, ce sont nos Congolais. Je vous réponds. Que de nous distraire avec de guerres politiques qui vont certainement nous amener à, de séparation ça et là, que de nous concentrer pour ceux qui nous concerne plus, c'est-à-dire l'intégrité de notre pays. Je vous réponds en tant que technicien et puis en tant que citoyen. Je pense que ici, je suis face à deux opposants. Et moi-même, je suis de l'Union Sacrée. Il faudrait que mon frère s'assume, hein, parce que moi, je m'assume, je dis je suis de l'Union Sacrée, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il porte sa casquette. La question... Qu'il nous dise également qu'il est opposant. Oui. La question sur le choix à faire. La question sur le choix à faire. Vous savez, ceux qui ont un peu de la notion dans leur tête, ils savent que la notion sécuritaire a toujours une prééminence sur la notion électorale. Très bien. Parce que merci. Les théoriciens contractuels de l'État nous prône la naissance de l'État sur la question sécuritaire. Donc ici, si on veut faire un choix, étant que théoricien, je vous dis, si on veut faire un choix, étant que théoricien, c'est la question sécuritaire qui va prévaloir. Très bien. Je rêvais encore dans les contrats... Donc vous êtes partant qu'il y ait quand même un record. Je rêvais encore dans les contrats les plus connus du monde. Les droits, je crois, les pactes universels du droit de l'homme. On vous dit, les droits les plus fondamentaux, c'est quoi? Merci. Non, merci. Ce sont des éléments de puzzle que nous sommes en train de réunir. S'il vous plaît, les droits les plus fondamentaux, c'est le droit de quoi? Les droits à la vie. Or, entre le vote et la vie, on doit... Les choix est clair. S'il vous plaît. Merci. La regardez les chemins de chambre de fer. La personne qui doit aller voter, c'est la personne qui doit être en vie. Très bien. Un cadavre ne vote pas. Vous prenez la constitution de l'article 16. Merci beaucoup. Merci. Très bien, il a été impatient, monsieur Héritier Ilunga. Mais s'il veut me répondre, qu'il me réponde avec des argumentaires. Qu'il ne soit pas dans le populisme. Ici, j'ai des documents. Qu'il soit théorique, qu'il soit pratique, qu'on se rencontre dans les idées. Merci beaucoup. Héritier Ilunga. Kabila Forever, vous avez la parole en 7 minutes aussi. Oui, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission déjà. Alors, toujours le Bélamaramba, il y a guerre na Est. Oyeko qui bon contraîné en quelque sorte report et élection. D'ailleurs, Jomaïla Lobiango, c'est le droit à la vie qui prime au-dessus de tout, voire même au-dessus du droit de vote. Ce n'est pas un cadavre qui vote, mais c'est une personne humaine en vie qui vote. Est-ce que vous pensez qu'au regard de l'insécurité dans la partie est de notre pays, on peut penser à un report des élections? Dès qu'on attend, moi, ta inondation est là. Bambi, si Balia Kabanyamo, Amiki, Miki. Mais lorsque l'inondation est bandit aussi là, Banyamo, Amiki, Miki, Oana, Obatika, Laki, Babandi, Kolia, Bambi. Oh. Au moins, il y a une noce sacrée. Bakomi, la souka. Moi, mes parents, je suis un peu plus voisin de Bango, à Zamouibi. Je suis un peu Mais la République démocratique du Congo, batika Congo ya mobimi. Oh. Mais batu oyo yazo soutenir oya malamu lelo batili si bokonzi na bango batika libiso Congo ya ndambu. Brassage et mixage. Kabila tika la koya na basoda bapa ya Congo te. Bitumba ya M23. Balobi ke na ba groupe rebelle wana oyo sala ki s'il vous plaît. Toke malembe. Ba groupe rebelle wana parmi bango na kati na bango
bapaya bazalaki. OK. Notamment ba Rwandais. OK. Nda na brassage na mixage na mboka na armée ya mboka na biso nda esala que na kati ba groupe rebelle on a tellement ba infiltré bazalaka nda esala que ba kota na kati armée na biso. OK, nda on attend. Banani ba yaki na ba troupe rebelle. Nda ba to bango ba so sala na bango. Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi, bazalaki na bango, bazalaki na biso. Nde batuwa yaki na batuwa na pona nini Jean-Pierre Bemba bo ya teke batuwa pa mipa kukule bele nazara bango lelo oh bo Moussa Moutoumon lelo s'il vous plaît tolérance mande yo paske yo tolérance s'il vous plaît on ya yi papa deko Jean-Pierre Bemba etant que citoyen congolais alinga kebi sa na gouvernement en place parce qu'à l'époque alinga azala ki na le vice-président de la république te ya kolwa ke mwani nilene tolingi tosa la brassage et mixage boi nazara ba Rwanda kote nanga nazara ba Ougandé nana ba Tanzanie mais ndeko Jean-Pierre Bemba salaki angote ndeko Joseph Kabila kabanga azu na poro Jean-Pierre Bemba pesiye et tant que na groupe na yo atali nango ndeko Mbusa na mwiso bazoli na bazoko ngena ba fête ba anniversaire na ba matanga na ba mariage alobaki makambo wana te me nyoso wana oli atanga ndeko Jean-Pierre Bemba ba ndeko sa yo pona yo okanisi ke ba yaki na ba rebelle wana okanisi ke ba chef na bango il fallait ki ba banana nu ko ba mwa ba denonce ba longoli ba payao bazalaki na kati ya ba groupe na bango parce que et puis après oui oui parce que Kabila ya qui na troupe rebelle té na kati ya république démocratique Kabila oh ouais Kabila le fils na olobela Olandi après lelo oyo obeti lisolo lisusu awa nenga na zolo bake obozali ko organiser eza élection té eza procédure électorale eza konga ba militaire ya UDPS ba bengisi quelques partis ya opposition et à soutenir bango vrai ou faux que cas d'image militaire ya UDPS vraiment si le nom on pourra reprouver en côté mais il y a des personnes dans la carte des membres étaient sur les alaki n'angoué et tout même attends mais c'est Antoine dans la mais fiche des déchets à la rente oh fiche des déchets est-ce que yo mon gozo ka militaire il des personnes ont déclaré que la salle était place tout vendre tout à la carte des membres non si ko soki ka dans la le secrétaire général il y a eu des personnes dans la carte des membres étaient oh est-ce que bandi le même mais c'est Antoine il y a dans la carte n'angoté sinon le bawa nenga zawana kadima a militaire il des personnes ministre affaires intérieures militaire à IDPS ministre de justice militaire à IDPS au talent du président cour constitutionnel militaire à IDPS non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on a capable de prouver non ça prouve pas c'est marrant nous sommes c'est babilo qu'on a joué ça tu n'as pas macambo les arrières les congolais non soyez bi qui on va libre on va aller organiser les alliés processus électoralité ça Congrès militaire à IDPS bah ben ici quelques partis à opposition et soutenir bango c'est pourquoi que Bisso FCC tomoya ki keto ko kiko kende kunate wana ezali mapona mité comment bino bolobi ke tozo ke election to ebisi bino toza na pousa biso na FCC toza na pousa ba parti prenante nyo soba dala na kati ya biro a seni wapi opposition na kati ya seni to ebisi bango il fallait bon respecter ne comment ba juge bon respecter comment même ba nomer la ba juge na cour constitutionnelle est-ce que monsieur Antoine a respecté ke yango a respecté ke yango te monsieur Antoine nenga si a mesala ko violer constitution na biso a violer ki na loba lisusu na emission na yo awa na plateau na yo ke soki constitution ya république démocratique du Congo ezalaki mwana mwasi yeko asambwa e pa monsieur Antoine Marambe sécurité, est-ce que tu pourrais envisager pour répondre à l'élection? Parce que, et comme il y a Jacques Obama, tu as dit que tu pas bêtipé les solo. Bazan a 10%. Oh, tu as dit que tu organiser l'élection. Bazan a 9% de chèque. Parce que le lot, il y a des gens qui ont carte, il y a des duplicataires, il y a des duplicataires, il fallait que tu payes 10 dollars. Le lot, il y a des Congolais qui ont dit pour payer sa duplicataire, il fallait 10 dollars. Soki abwe toke ndena centre ya Lemba toke ndena ya Kinkole après wana na lingi na tuna ye na processus électoral oyo nde to monika di mana minute oyo nde aza kote ba machine ezali na ba bulletin de vote na minute na epoka ya mwimboka ya solo solo Joseph Kabila Kabange 3 mois déjà il fallait déjà ba matériel wana ezala déjà na ba province toza na 145 territoires toza na 26 provinces toza na combien de villages oyo il faut la machine mais tu n'as village natal là là mutu kwenye nakate wana wapi ah wana wapi et pas na biso na Lukenzi oh na territoire ya Kabalo na province ya Tanganyika mutu kwenye nakate et mutu kwenye nakate il fallait pas toi même yango na mutu est-ce que comment et quand on a territoire ndenge na bazo machine avote ba chavo mutu ba même yako kwenye nango si on a zo tuna monsieur nani Joe Mayen lelo oyo biloko nano na ville province ya Kinshasa na capitale na biso ekomi nano te
est-ce que tu as une élection à solo? C'est pourquoi on a dit que Bazan a 10% au Etikali. Bon, organiser l'élection. Bazan a 90% déjà, il y a échec. Monsieur Mounière a été accompli deuxième sénateur à vie de la République démocratique du Congo. Merci. Mon amboka, parce que moi, je suis allé à la commune, 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 Merci beaucoup. Grady Moundeke, vous terminez, vous êtes analyste indépendant. Votre lecture sur le processus électoral, parce que nous parlons de processus électoral, nous voulons sentir cette indépendance. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, parce que le droit à la vie prime au-dessus de tout, vous pensez qu'on pourrait penser à un report des élections, que d'aller avec nos frères qui meurent le jour, parce qu'on craint que le jour des élections, le 20, que nous ici à Kinshasa, nous sommes, pendant que nous sommes en train de voter, là à l'Est, nos Congolais, nos frères sont en train d'être tués par le M23. Monsieur Nathan, tant dans mon ligne de quoi au coma. Je me suis dit certainement mon frère est en train d'écrire des choses très importantes. Déjà lors des présentations, Joe Maïl, je me suis dit que je suis face à un type très intelligent. Oh. Fort malheureusement. Comme son nom l'indique, fort malheureusement, ce n'est peut-être pas le cas. Faut pas faire la lecture. Monsieur Nathan. Vous savez, ici, dans le plateau Oyo, dans l'obéli de Kamouya Rumeur, on m'a dit non, voilà, monsieur Grady. Ce n'est pas initié de parler de rumeurs à la plateau ou à la télévision. De quoi, même si il y a mon île au col à vous sauter. Mais de quoi, l'obima comme maman Dunda, là où ils avaient rumeur. Quoi, pourquoi profiter? Peut-être c'est le mot rumeur qu'il ne maîtrise pas ou bien il doit encore bien apprendre. S'il me cite maman Dunda, je vais citer beaucoup de choses. Je ne veux pas aucun des familles, je ne veux aucun des lois. T'es pas seul là, pas seul là. J'explique. La SADC venait de faire un tour ici, à Kinshasa. Tout le monde dit quoi SADC? Ah, SADC, il y a eu une élection exactée.
Ça dire qu'il y a une élection exacte, pour ne pas dire qu'il y a un lobby sur la rumeur en plateau. Mais si on a un lobby qui est en train de dire on ne va déclarer qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que ça dire qu'à côté là, maintenant, il y a tout le temps qu'il y a un lobby sur la rumeur. Ça dire qu'il y a une mission établie. Quand une organisation internationale a une mission établie, il y a un lobby sur la rumeur. Il y a une question qui est évaluée d'abord cadre environnemental et RDC politique. Ceux qui ont été bien dotés. Moutoune Zali, est-ce que le cadre environnemental politique et RDC Congo les a respectés? Si oui, mais la ville province à Kinshasa, tout le monde a bêtis les autres pour l'assemblée provinciale, la gouverneur, hôtel de ville. Bazo fin, bazo a pied, il n'a secrété. Bazo bon, environnement politique, les a malade. Bazo non, ça veut dire que pour l'aéro, les a ok. Donc, tu vois que quand la gymnastique, pour tout comment, ceux qui électionnent dès le départ, et bah, qui peut causer la tout. Ok. Il va évaluer d'abord le cadre juridique et constitutionnel. Cadre juridique et constitutionnel. Il a dit que le cadre juridique, monsieur, il y a quoi lobby. Ce qui est le nom de Nathalie, il est le pénin et justice. C'est un bémol. Mais mon frère, tout dans la réaliste, quand tu es au salon, tu es critiqué. Mais tandis que tu es un flèche à ma casse, c'est à côté de Nabiso. Il est le lobby à ma justice. Il y a quoi lobby. Justice, il y a un bon canaille. Donc, ça aide à reconnaître que la justice est un bon cannabis, et ça, madame, tandis que les garants ont dit que la justice est un problème. Question. Donc, on a dit que Kabila était mutoyé dans le M23 dans le Bokao. Comme l'a posé mon frère Kabila Wapi. Le père et le fils. Pourtant, tu as Kabila forêt verte. Tu as Kabila forêt verte. Tu as dit que tu as papa. Il était un rebelle. Et ça va bien voter. Na rebelle n'est pas encore là signé pour les Zomboka au Congo, ça va pas encore ni. Les mères. Bah encore ni tant que Kabila. Kabila est dans les pères et les fils. On parle de Kabila ici. Kabila ou on a même ba rebelle na Mboka ou ba pomisa Mboka ou. Mais tu dis comment mobile. S'il vous plaît. Kabila les pères. Mais tu dis comment. S'il vous plaît. Père tu dis comment mobile. Kabila moi na ndebo zo ba Kabila. Kabila les pères tu dis comment mobile. Moi na pères tu dis comment mobile. Question. Moi ni côté ya ba ba ya ba rebelle ba ba Rwanda na Mboka ou Congo. Et soit ka bande ko ya Kabila makasi na bité pour le. Est-ce que yeu ka za Rwanda? Merci. Merci ça de kona kai pardon. C'est ça. C'est 30 secondes quand. C'est ça papa. C'est ça pour na makambu ya élection. Ça dès qu'a lobby que ba élection et cosa. Nga la mituli na moyenne ni posa deka lobi ke sécurité na mboka oyo ezali. Et pourtant ça dès que wana zoro ba ke insécurité na mboka oyo ezati, azo senga ke ba troupe na ye ekita na est. Mais tout ça va réaliste ko, ata ko tobi to yebi ba mtu ose mati. Ça dès de l'autre côté, je précise le 12 octobre, ça dès demande le gouvernement congolais a permettre que ba troupe na ye ça la descende na est ya Congo pour la ko bengana M23. C'est la même SADC qui revient pour nous dire quoi? Que na RDC insécurité ezati il peut y avoir élection. En tant que congolais, je dirais que je suis entre mon club et le marteau. Très bien. Où il y a la constitution qui m'exige en tant que citoyen congolais, la seule voie constitutionnelle au Mbokawe Ponakamutu, c'est l'élection. C'est la seule voie constitutionnelle. Merci. Mais je me retourne encore pour voir que je ne peux pas aller aux élections. Ceux qui bandent Konanga à Est, basé à Kobo. Donc vous êtes d'avis que. Je ne suis pas d'avis, je vais. Pas reporter. Parce qu'il faudrait qu'on rappelle que. FADC, il y a Kati Baro en ligne. Il y a Kouma. Place. Lorsque l'on vient au pouvoir, il y a des missions, il y a des missions régaliennes. Un président de la République, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a une mission régalienne. Pour sécuriser l'État, la souveraineté, financière, il y a beaucoup de choses. Merci. Ce qui n'est pas Félix, a réussi à la mission régalienne. Donc, il y a une question, il y a une élection. Très bien. Il y a une mission qui Félix a réussi. Merci beaucoup, cette émission. Et complètement terminé. Merci à moi. Moi, j'allais prendre 30 secondes. Non, attendez. Non, donne-moi juste 30 secondes. 20 secondes. Non, non, si je vous donnais 30 secondes. Si je vous donnais 30 secondes, tout le monde aura. Non, non, 5 secondes. Il y a une chose qui s'est dit ici. Donc, on oublie que. Atiki la biso, Mboka en entier. Alors,
Félix Apesiango Ndambo. Définissons géographiquement le Congo. Le Congo s'est défini comment géographiquement? 2 345 000 km². Alors je sais que pour Moutoumbogues à Ndambo, il faut passer à la cession. Acte de cession. Et acte de cession, selon l'article 214 de la Constitution, il faut qu'il y ait un référendum. Peuple a voté. Que tout cédé ma belle. Mais il y a Bissangaï. Est-ce que l'occupation est allée pour céder portion à terre? Non, mon ami. Ici, je veux vous dire encore une chose. Je respecte beaucoup votre aspect. Mais allez dire à l'initiateur de celui qui a créé cet aspect. Il y a la loi sur les organes qui font la politique. On appelle ça la loi sur les partis politiques. Cette loi de 2004 reconnaît deux labels qui doivent faire la politique. Beaucoup. Les regroupements politiques et les partis politiques. Très bien. Toi, là, quand tu viens ici, tu viens sur quel cas? Merci beaucoup. Héritier Ilunga. Il faut être philanthrope. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au moment où Otozali, Nakati a un territoire et un bon cannabis, bon cannabis est là, ma carte drapeau, la bise est là. Ça, c'est une session. On a session. S'il vous plaît. On a une session. S'il vous plaît. On est à session. Ok, il n'y a pas de casse de ces mounières à Kendena Bounagad. Mais malheureusement, je n'ai pas de mounières. S'il vous plaît. Monsieur Mounière, c'est bon. Il y a des gens qui sont à défense, il y a des commandants, il y a des chefs, il y a un état-major général, il y a Kendena Bounagad. Comment que les Congolais basali kuna basali ko souffrir? Merci. Yo zolo bela yangote, me zolo bela ni kamo asesu. C'est sûr que batu basali kuna webi nanga bato tang. Batangi ko bato tang. Fayulu, depuis que tu es dans l'opposition, quelle est la loi que toi tu as proposée en tant que député national pour Namboka? Fayulu est président de la République, c'est l'Oyé, avant député. Non, non, c'est l'Oyé. Non, non, pas bien, c'est l'Oyé. Atinda Cyprien. Hier, à Maneko, si j'étais présent, Atinda Cyprien. Hier, à Maneko, si j'étais présent. Toi, tu vas mentir. Quand tu es Cyprien, mais il y a une petite. Il y a une petite. Mais décliner la poste, tu vois, tu as la poste, tu as la poste. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bisso va Congolais, tu as mis tes mains à Bisso. Moi, tu as reçu un Congolais. Tu peux t'acheter un Bisso va Congolais. Merci. Merci beaucoup. Il s'appelle. Si vous voulez. Il s'appelle Grady Mundeke, Joe Maele de l'Union Sacrée. Merci d'être passé sur ce plateau. Et Itié Ilunga, Kabila Forêt Vert. Bon, ça l'a fait partie politique à Lombard. Merci. D'être ça va se transiter. Ils ont transité casquette. Très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme Kataya. S'il vous plaît. Il y a un bah, comme ah, okay. Alors, à vous qui nous avez suivi, merci de la confiance renouvelée à ces magazines. On a parlé ici de la situation liée à l'insécurité à l'est de notre pays. Aussi, la question sur le procès électoral avec le temps qui nous reste. Aussi, avec la sécurité, est-ce que un report est-il envisageable? Voilà pourquoi je reçus pour vous ce jeune avec qui nous avons réfléchi autour de ces deux thématiques importantes. Merci la confiance renouvelée. Merci aussi à Nathanaël Onokomba qui nous a assisté. Il est porte-parole du parti Piste pour l'émergence de cette Kikuri. Merci. Alors on se retrouve le samedi pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bon tu de la journée chez vous. À tout à l'heure.